Yo l'équipe, Minena, deux histoires à raconter à cette mois-là. Na haine nous va dire que les diaboliques et l'autre les angéliques. La première histoire comme ça raconte à Zot, c'est celle des diaboliques. L'autre sera demain. Nous commençons maintenant. L'histoire, il débute avec un bug qui est pour marger un chemin tranquille et en fait. Il est en train d'être dégoûté de la vie. Ouais. Le gars, franchement, il est en mode. La vie, elle est molle. Ouais. En tout cas, son vieil, il est molle. Ouais. N'a rien de spécial à faire. Il est triste de fou, en fin de compte, parce qu'il n'a pas l'amour non plus. Il n'a rien, en fait, tu vois. Et le gars, il est vraiment dépité. Jusqu'à ce qu'à un moment donné où il rencontre le diable. Et là, le diable est arrêté. Il dit comment? Québec, c'est un nouveau. Là, le gars est en mode t'es ben, en fait il est hyper triste parce que voilà la vie est dure, il est très compliqué et ouais, on va dire il n'a rien, il n'a pas de bonheur, il n'est pas heureux, rien en fait et voilà quoi. Et il y a Gassai et tout. Et c'est là le mal qu'il dit. Le mal il dit comment? Il propose rien à faire. En échange de l'âme, il accorde à eux 7 vœux. Le gars en mode quoi? 7 vœux? Sérieusement, oui, sûr de où et tout l'affaire? Et pour de vrai, genre exauce vraiment tout ce que m'y désire et tout. Le diable il dit. Oui, il exauce tout. Alors, marché conclu ou pas? Le gars, il réfléchit un peu, mais il m'aille pas trop, il dit oui. Mais bon, on fait le pacte et tout. Du coup, contrat signé, tout ça. Et là, il dit, bon, pour tester vraiment le bonne vue en question, pour voir si c'était pas monté, hein. Pour le premier vœu, il veut la bouffe, mais à don. Parce qu'en fait, quand il mange un tas, là, et ben, en fait, il réconforte en fin de compte, tu vois. Donc, quoi, il veut beaucoup de bouffe, comme s'il est d'un palais, d'un château. Il veut la bouffe partout. Et là, le diable, il dit. C'est ce qu'on veut. Bel et bon, vous devez l'exaucer. Là, le gars, il mange comme jamais. Allez, goinfraye de ouf. Mais, au bout de quelques jours, le gars, il finit par l'assailler, en fait. Et il rappelle le diable. Là, le diable arrive. Il dit Alors, c'est quoi le deuxième vœu? Et ça, le gars dit. Ben pour le deuxième vœu, il aimerait avoir des go à gogo. Ouais. Ouais, petit jeu de mots, compris. Allez, bisous. Et là, le mal, il dit. C'est ce qu'on veut. Allez, bon. Vous devez l'exaucer. Et là, il enchaîne le bonne forme. La vérité, là, il fait des dingueries. Tout le bonne forme, Nena. Il a toute catégorie, hein. Mais le gars, il prend tout. Le gars est chaud de fou. Pendant quelques jours, le gars il donne paquet. Ouais. Et là, à un moment donné, il finit par l'asseoir. Parce que là, on est compte que le bonne forme là, il n'est pas là du tout par amour pour lui. Mais il est là par magie. Et que c'est juste bonne forme, comme dans un rêve limite, pour assouvir juste son bon désir, son bon fantasme. Et du coup, c'est ça. Ben, la ferronnée compte que voilà, faut arrêter, faut calmer en fait. Donc, il rappelle le mal encore un coup. Et le mal y arrive, c'est comment? Alors, c'est quoi le troisième vœu? Et ça, le gars, il dit comment? T'es ben là, il a fait une goutte à la bouffe, les femmes. Maintenant, il veut le rôle, il veut être hyper riche. Là, le diable, il fait. C'est ce que vous souhaitez. Mais elle est bon. Vous devez l'exaucer. Et là, le gars, pendant quelques jours, il en profite à don de son euro, il achète toutes les affaires, tout ce qui passait par la tête, il achète, il achète, il achète. Oh. Mais il arrive un moment où, pareil, il finit par lasser. Il est en mode. Les biens, mais
Il n'est pas plus heureux que ça. Il manquait un zaphir pour être plus heureux, tu vois. Et du coup, Lisa essaye comble ça avec tous les autres vœux qu'il essaye. Donc, il rappelle le mal. Et là, les vœux y enchaînent. 4, 5, 6. Jusqu'à ce qu'il essaye rien qu'un. Et à ce moment-là, il rappelle le mal en question. Et là, le diable débarque. Il dit alors. Il manque à vous un seul vœu maintenant. Et là, le gars, il dit oui. Mais il a rendu compte de pas mal de choses avec les vœux qu'il avait été accordés précédemment. À savoir les biens. Genre tout ce qu'il était vœux, les biens. Il y a eu la bouffe, les femmes, l'euro. Tout ce qu'il a souhaité, il y a eu en fait des biens. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas satisfait pour autant. Parce que, ben en fait, la tombe du ciel en fin de compte, tout ce qu'il y a eu, il n'a pas été travaillé, il n'a pas fait d'efforts, rien. Wow. Ce qui fait qu'il enlève cette satisfaction-là en fin de compte. Et c'est sans doute pour ça qu'il n'est pas heureux. Parce qu'il n'a pas travaillé pour gagner en fin de compte toute la tombe du ciel d'un coup comme ça. T'es bien pendant un moment, mais le fait de pas avoir connu c'est quoi, en gros, le dieu labeur, pour avoir tout ça, ben, il enlevait cette satisfaction d'avoir un peu quand même eu tout ça comme ça en fait. Et il dérange Alissa. Il est sûr que s'il avait travaillé pour gagner, ben là, le qu'il est, tout ce qu'il y a eu, il aurait été satisfait et heureux. Mais vu qu'il a été fait par magie, ben en fait, il enlève ce côté-là, en fait, cette satisfaction-là. Le diable est en train de stresser, en mode, mais que ça pour raconter à moi, le gars tout gagné, etc. Ce qu'il y a tant de moyens. Il dit, Diamant au dernier vœu. et c'est là, le gars, il dit, vois qu'on rencontre à moi le premier jour là. Il était dépité, m'avait marre de la vie. Il m'expliquait tous mes problèmes et tout. Il n'était pas heureux. Et ben là, pour mon dernier vœu, et ben, on voit la personne qui est là-bas, là, des là, là-bas. Et ben, il allait être triste comme moi au premier jour. Et ben, il souhaite. Et c'est ça mon dernier vœu. Que Ron allait heureux. Et c'est là, pouf, le diable disparaît. On voit plus la trace. Pourquoi? Parce que dans le contrat, il stipule que chaque vœu que l'unité doit faire, c'était pour lui, uniquement pour lui, et pas pour quelqu'un d'autre. Ce qui fait que le gars là brise la chaîne là en fin de compte, parce que le diable t'attend pas à faire le vœu pour quelqu'un d'autre en fin de compte, tu vois. Ce qui fait que le gars l'a tout perdu. Bon. Et il a gagné en quelque sorte résilier le contrat. Mais tout ça pour Diao. Que n'a rien de mieux que le dieu labeur. Réfléchis bien avant de faire bonne dinguerie pour avoir certaines choses. Parce que vous serez satisfait. Même si vous cherchez la facilité pour avoir un truc. Être humain, ça fait ça. Ça choisit la facilité, etc. Mais il dépend vraiment quelle facilité. Parce qu'on a beaucoup de personnes, malheureusement, pour avoir toutes les choses de ce bas monde. Il sera plutôt tenté de faire des dingueries pour avoir certaines choses. Mais le truc, c'est que à un moment donné, on sera plus satisfait de ce que vous avez, parce que vous connaissez que vous avez soit de force ou soit par magie. Si vous faites bonne dinguerie, voilà, vous l'avez compris. Et du coup, ça enlève cette satisfaction-là, en fait, à un moment donné. Et ça part en eau plus heureux que ça, au final. Au contraire, ça détruit un petit feu. Parce que vous avez tout ça. Sans effort, en fait. Réfléchis bien ce que vous faites, parce que les remords après sera éternel.